OK, on va trouver comme des équivalences avec des fractions, puis des nombres naturels. Dis-toi que si, mettons, tu as une demi de quelque chose, c'est qu'on va diviser le paquet en tout. OK? Fait que si, mettons, tu as une demi de 12, bien, ça veut dire que tu vas avoir 12 bidules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis que tu dois séparer les 12 bidules en deux paquets. J'ai deux paquets. Fait que ça veut dire que dans la moitié, c'est une moitié, ça veut dire que tu en as 6. Fait que la moitié de 12, ça serait 6. On vient de trouver qu'une demi de 12, c'est 6. On pourrait vérifier si c'est vrai d'une autre façon. Fait que ce que je cherchais, c'était la moitié de 12. Ouais. Je vais trouver, mettons, ma méthode de fraction équivalente en me disant, OK, 2 fois quoi va me donner 12? 2 fois 6. Fait que pour garder l'équivalence, il faut que je multiplie le haut fois 6 aussi. Fait que 1 fois 6, 6. Je pourrais aussi prendre une autre façon, puis dire, OK, je viens de trouver, mettons, une demi de 12, c'est 6. Je vais vérifier si c'est... Si ça fonctionne avec le produit croisé. Fait que si je fais 1 fois 12, 12. 2 fois 6, 12. Je pourrais aussi faire des ensembles. Et puis trouver, mettons, qu'une demi de 12, c'est 6 aussi. Fait que comment je procéderais? Bon, ben, je vais faire des ensembles de fractions. OK. Fait que je sais qu'ici, en bas, je vais me rendre jusqu'à 12. Fait que je vais faire 2, 4, 6, 8, 10, puis 12. OK. Fait que tu as remarqué que j'ai fait des bonds de 2 à chaque fois ici. OK. Ici, puisque le chiffre, c'est 1 en haut, je vais faire des bonds de 1. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha! Fait que la moitié de 12, c'est bien 6, comme on a retrouvé tantôt. Je vais t'en donner un à faire. La moitié de... Tiens, 16. Fait qu'une demi de 16 égale 8. Je pourrais dire, OK, une demi de 16, ça donne 8. Ouais. Je pourrais dire, OK, je peux faire ici, mettons, 2 fois quoi donne 16, c'est 2 fois 8. Fait qu'ici, ça va être 1 fois quoi donne 8. 8. Je pourrais aussi faire mon produit croisé. 1 fois 16, 16. 2 fois 8. 16. Je pourrais trouver une demi de 16 en construisant des ensembles de fractions équivalentes. Une demi, c'est 2 quarts. Ensuite, 3 sixièmes. 4 huitièmes. 5 dixièmes. 6 douzièmes. 7 quatorzièmes. Ah, 8 seizièmes. Comment on a fait ça? Ici, puisque c'est une demi, tu vas compter par 2. Fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En haut, c'est à 1, fait qu'on fait des bonds de 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la moitié de 16, c'est 8. Si tu as un quart, mettons de 1 quart de 12 à trouver. Ça veut dire que tu vas avoir 12 bidules en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis, que tu dois faire combien de paquets? Tu vas faire 4 paquets égaux. Tiens. Puis, le 1 ici, ça veut dire qu'on va en prendre juste un des paquets. Fait qu'à l'intérieur de un des paquets, il y en a 3 bidules. OK, on vient de faire 1 quart de 12 égale 3.
je pourrais vérifier avec mes trucs de produits croisés puis de fractions équivalentes. Fait que 1 fois 12 égale 12. Fait qu'ici, il faudrait que ça donne 12. 4 fois quoi égale 12? 3. Donc, 1 quart de 12, c'est 3. Je pourrais aussi trouver 1 quart de 12 avec des ensembles de fractions. Je sais qu'il faut que je me rende à 12. OK? Alors, 1 quart, 4, 8. Si je fais des bons de 4, 8 plus 4, ça donne 12. Ah, je suis déjà rendu. C'est pas si loin que ça. Puis en haut ici, ça va 1, 2, 3. Fait que 1 quart de 12, c'est 3. Je t'en donne un à part. 1 quart de 16. Arrête de la vidéo. OK. Donc, je vais dessiner 16 bidules que je vais séparer en 4 paquets. Et puis, je vais sélectionner un des paquets. Il y a combien de bidules à l'intérieur? Il y en a 4. Un quart de 16. On vient de voir que c'est égal à 4. Je peux le faire avec mes fractions équivalentes ou mon produit croisé. 4 fois quoi donne 16? C'est fois 4. 1 fois quoi? 1 fois 4, 4. Si je vérifie le produit croisé, 1 fois 16, 16. 4 fois 4, 16. 1 quart de 16. Fait qu'en bas, je vais faire des bons de 4. 4, 8, 12, 16. En haut, 1, 2, 3, 4. Donc, 1 quart de 16, c'est 4 seizièmes, ou 4. Un quart de 16, c'est 4. Si tu as un tiers de quelque chose, ça veut dire que tu vas séparer ton paquet de bidules en 3 paquets. Fait admettons qu'on aurait un tiers de 9. OK, ça veut dire que je vais dessiner 9 bidules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis je vais séparer toutes les bidules en 3 paquets égaux. J'ai 3 paquets égaux. Puis le 1 ici veut dire que j'en sélectionne un des paquets. Donc, 1 tiers de 9, ça veut dire qu'il y en a 3. On vient de faire 1 tiers de 9 égale 3. Je peux le faire avec mes fractions équivalentes aussi. 1 tiers, c'est égal à combien sur 9? 3 fois combien? 3 fois 3 égale 9. Fait qu'ici, je vais faire x 3 pour garder l'équivalence. Donc, 3. Si je vérifie avec le produit croisé, 1 fois 9 égale 9. 3 fois 3 égale 9. 1 tiers de 9. Je pourrais faire des ensembles de fractions. Fait qu'ici, je vais faire des bons de 3. 3, 6, 9. En haut, je vais faire des bons de 1. 1, 2, 3. Fait que 1 tiers de 9, c'est 3. C'est à ton tour. Trouve 1 tiers de 12. Arrête la vidéo. Okay, donc, j'ai dessiné 12 bidules que je vais maintenant séparer en 3 paquets égaux. Puis, je vais sélectionner un des paquets. Il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 4. On vient de voir que 1 tiers de 12 égale 4. Si je fais mon produit croisé pour vérifier. Un fois 12, 12. 3 fois 4, 12. 1 tiers de 12. OK. Fait que si je le fais avec des ensembles de fractions équivalentes, 3, 6, 9, 12. Ici, 1, 2, 3, 4. 1 tiers de 12, c'est bien 4. Parce que 1 tiers, c'est égal à 4 douzièmes.
OK, admettons qu'on aurait 2 tiers. 2 tiers de 12. OK, fait que je dessine 12 bidules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais séparer ça en 3 paquets égaux. 1, 2, 3. Le 2 ici veut dire que j'en sélectionne 2 des paquets. Dans ces deux paquets, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 bidules. Ça veut dire que 2 tiers de 12 égale 8. 2 tiers de 12 égale 8. On vient le faire. Fait que ça veut dire que 2 tiers, c'est égal à 8 sur 12. Je peux vérifier le produit croisé. 2 fois 12, 24. Puis 3 fois 12, 24. 2 tiers de 12. Ok, je vais faire des bancs. 3, 6, 9, 12. Avec des bancs de 3 en bas. En haut, je vais faire des bancs de 2. 2, 4, 6, 8. 2 tiers, c'est égal à 8 douzièmes. Donc, 2 tiers de 12, c'est 8. Je t'en donne un à faire. 2 tiers de 15. Arrête la vidéo. OK, fait que j'ai dessiné 15 bidules que je vais séparer en 3 paquets égaux. OK. Le 2 ici veut dire quoi? Que je sélectionne 2 des paquets. Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bidules. Et 2 tiers de 15 égale 10 bidules. On vient de voir que 2 tiers de 15 égale 10. Alors, avec le produit croisé, ça veut dire que 2 tiers sur 15, ça donnerait 10. 2 fois 15, 30. 3 fois 10, 30. 2 tiers de 15. On va faire des bons jusqu'à temps d'avoir un dénominateur de 15. Alors, 3, 6, 9, 12, 15. Donc, on a fait des bons de 3 pour le dénominateur. Puis en haut, pour le numérateur, on va faire des bons de 2. 2, 4, 6, 8, 10. 2 tiers de 15, c'est égal à 10.